Salut, je fais cette petite vidéo pour parler de pas mal de trucs. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je l'ai fait que deux fois jusqu'à maintenant. C'était pour les anniversaires de l'émission de Partoche. Mais là, il y a plein de trucs à dire, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont se passer en 2015, et j'aimerais faire un petit point là-dessus. Parce qu'il y a des choses vraiment cool qui vont se passer. Alors on y va. Je commence déjà par remercier chaleureusement tous les tipeurs qu'il y a eu jusqu'à maintenant, les tipeurs qui ont fait généreusement des dons sur la page Tipeee, lien dans la description comme d'habitude. Merci à vous, grâce à vous j'ai pu acheter un kit, bête de kit de lumière, genre studio, genre pro, genre truc de ouf. Pour info, les ampoules ressemblent à ça, bête de truc de malade, et j'en ai trois comme ça, avec des pieds et des tout, je vous passe une photo en ce moment même. Ça améliore considérablement le rendu de l'émission qui a des problèmes de lumière assez souvent en fait. Maintenant, j'ai plus de problème. Donc, vraiment, merci. C'est grâce à vous. J'aurais pas pu les acheter sans ce soutien financier. Je vous aime vraiment. Pour info, je les utilise pas là en ce moment même, hein. C'est pour ça que la lumière est assez dégueu, hein. Le cœur de cette vidéo, c'est les conventions auxquelles je vais participer cette année. Alors, il y en a un bon paquet et je vais vous les donner. Première convention à laquelle je serai présent, c'est la Japan Party, qui se situera à Nanterre le 11 et 12 avril. Alors Japan Party, on pourrait croire que c'est totalement culture japonaise, etc. Mais non, il se développe sur la culture vidéo du net. Et ils m'ont invité, merci d'ailleurs aux organisateurs. Ils m'ont demandé si je voulais un stand. Non, clairement non, je pense pas. Après, il y aura peut-être moyen que je sois regroupé avec d'autres vidéastes que je connais qui seront là-bas, notamment Hardisk et Vesper. On va passer un bon moment. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Si vous me croisez, n'hésitez pas à me dire bonjour, etc. Et si vous voulez plus d'infos, je vous mets dans la description le lien vers leur site internet si vous voulez voir comment ça se passe, les réservations de place et des détails quoi. Convention suivante, la Cavicon. La Cavicon est une sorte de salon purement dédié aux vidéastes sur le net et elle se situera à Nantes le 24 et 25 avril. Alors là, je serai en compagnie de pas mal de gens. Hardisk encore, hein, vous allez voir qu'il me suit partout ce con. Il y a aussi V pour Valentin que j'ai vraiment hâte de rencontrer. Il y aura Mister Yeye, il y aura Charline Danger qui fait les revues du monde, et il y aura pas mal d'autres personnes. Il y aura pas mal de monde aussi que je connais pas du tout, notamment des let's players, des trucs comme ça. Mais bon, peut-être que vous les connaissez. Je vous file le lien de leur site, là encore dans la description, si vous voulez voir qui participe à ce salon, et comment ça se passe, les billets d'entrée, etc. Alors si vous êtes nantais ou que vous pouvez vous déplacer là-bas à Nantes, n'hésitez surtout pas à venir, je pense que ça va être vraiment génial. Je reviens sur Mister Yeye. Mister Yeye, donc c'est un pote qui fait des vidéos sur YouTube et notamment des chansons. Il compose, il joue de la gratte, il chante. Et la Cavicon tombe justement bien parce que le samedi de ce salon, Mister Yeye sera en concert tremplin à Nantes, justement. Ce sera la finale du tremplin auquel il participe depuis un bout de temps là. Et s'il gagne ce tremplin, il ira chanter avec son groupe au Bataclan. C'est franchement pas de la merde. Je suis super content d'aller à Nantes parce que je pourrais enfin le voir en concert et le soutenir, et je vous encourage à en faire autant. Alors, le lien de sa chaîne, n'hésitez pas à écouter son album et télécharger gratuitement son album d'ailleurs. Si ça vous plaît, bah c'est génial. Si ça vous plaît, songez à aller le voir en concert aussi, profitez de la Cavicon peut-être, voilà, pour faire un bête de week-end. En tout cas, moi, pour moi, ça va être un bête de week-end, donc je compte sur vous, ok? On passe au mois de mai, et là, on a encore un gros salon de vidéastes qui se prépare, c'est la Néocast. Ça se passe à Strasbourg, le 16 et 17 mai. Alors là, ça va être un truc de ouf, parce que déjà, il y aura du gros vidéaste, connu ou pas connu, mais des gens géniaux. Et pour vous faire une idée, il y aura des gens comme Frédéric et Sébastien qui font Le Joueur du Grenier, il y aura Antoine Daniel qui fait What the Cut, il y aura François Torel qui fait Le Fossoyeur de Film, il y aura Mathieu Pradalet qui fait French Food Porn, il y aura Pouyou qui fait Et mon cul, c'est de Pouyou. Il y aura Danny Caligula qui fait Doxa, Patrick Beau qui fait l'incroyable Axolot. Il y aura encore Hardisk, quel con celui-là. Et surtout, il y aura pas mal de gens de la vidéothèque d'Alexandrie, dont je fais plus ou moins partie. Donc moi, j'y serai présent sur leur stand. Voilà, ce sera un gros stand carré au milieu de tout le monde, genre BAM! Et c'est génial parce que ça me permet de vous parler de la vidéothèque d'Alexandrie, dont je n'ai pas parlé encore actuellement sur ma chaîne. La vidéothèque d'Alexandrie est un collectif de vidéastes, et ce collectif rassemble des chaînes, ou en tout cas des émissions, des chroniques sur Internet, qui parlent de contenu culturel ou pédagogique, ou voilà, des trucs où on apprend des choses, des trucs intéressants. C'est une sorte de communauté qui se construit, en fait, et qui répond un peu à toute cette nouvelle vague de vidéos culturelles sur YouTube. Avant, on avait l'essor des podcasts et des vidéos purement humoristiques, on a eu les let's play, on a eu les tutos beauté, enfin, ça existe encore tout ça, mais il y a un autre truc qui se rajoute, dont je fais partie en fait, puisque voilà, quand j'ai lancé l'émission Partoche, c'était quelque chose d'avant tout pour faire partager une passion, une culture. Et donc, et ben voilà, il y a un collectif qui s'est créé, c'est la Vidéothèque d'Alexandrie. Pour l'instant, ça a la forme d'un forum et très bientôt, je pense, d'un site internet
qui vous feront partager des nouvelles émissions qui sont pas forcément très connues, mais qui sont vachement cool et qui sont très intéressantes. Pour vous donner une idée, parce qu'il y a quand même des gens, je pense, dont vous avez sûrement entendu parler, on a Nota Bene, on a Dirty Biology, on a Code Mu, et on a le grand ami Vlad Tapas qui fait le 7 barré, mon amour. Donc sincèrement, venez à la Neocast pour rencontrer plein de gens, vous pourrez discuter avec tout le monde, ou demander des dédicaces, des photos si c'est votre délire. Franchement, ça va être génial. Donc si vous êtes de Strasbourg, vous n'avez pas d'excuses déjà, donc ça c'est torché. Par contre, si vous venez d'ailleurs en France, franchement, s'il y a une convention à faire, je suis désolé pour les autres, mais c'est la Neocast. Voilà. Retrouvez le lien de la vidéothèque dans la description et aussi le lien du site internet de la Neocast dans la description, comme d'habitude, si vous voulez plus de renseignements. D'autant qu'il y aura une soirée le samedi soir, je crois, où certains gagnants d'un concours pourront passer la soirée, le repas, avec tous les vidéastes. Normalement, c'est ça. Je pense que ça va être l'orgie, enfin, ça va être délire. La semaine suivante, le 23 et 24 juin, on aura la Geekopolis, donc ça sera à Paris. J'y passerai parce qu'il y aura les poteaux de la tronche en biais, donc Vlad Tapas et Mandax qui seront là. Donc évidemment, je ferai un tour, pas de stand, hein, je me baladerai. Et je pense qu'il y aura pas mal d'autres vidéastes aussi avec moi. Donc Geekopolis, venez aussi, c'est très très bien. Alors là, c'est pas un salon pour vidéastes, enfin, sur les vidéastes en tout cas, ce sera un salon sur l'univers geek. En général, univers steampunk, univers japonais, univers comics, etc. Ensuite, on a les Geek Ferries qui se situeront à Celles-sur-Cher si je dis pas de conneries. De toute façon, je vais mettre le lien vers leur site dans la description comme d'habitude si vous voulez plus d'informations. Donc là, je vous garantis pas que j'y serai. Par contre, je vais faire tout mon possible pour y être. Parce que c'est pas à Paris, parce que voilà, il y a le transport, il y a tout ça, et que ça revient cher, l'hébergement. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment y aller, sachant que j'ai été invité au Geek Ferries on the Web, qui était en stream, où j'ai parlé pendant une heure avec Vlad Tapas de musique, c'était un dimanche matin, et c'était vraiment cool. Donc je pense sincèrement qu'il y a moyen de s'incruster là-bas et passer un vraiment bon moment. En tout cas, c'est recommandé par pas mal de gens, les Geek Ferries, donc j'attends vraiment de pouvoir y aller. Alors je vous donnerai confirmation évidemment de ma venue sur Facebook et Twitter, comme d'habitude, donc abonnez-vous à ces pages. Lien dans la description, comme d'hab. Alors après, ça devient un peu plus flou parce qu'il n'y a plus trop de dates. Enfin, alors peut-être qu'il y a une date. Pour la Japan Expo, par exemple, qui est le grand rendez-vous annuel des vidéastes en général, bah évidemment, ça sera à Paris, donc j'irai. Je crois que c'est en tout début juillet. Voilà, normalement c'est ça. Donc, je reconfirmerai ça, comme d'habitude, sur Facebook et Twitter. Et je mets, oui, le lien du site aussi dans la description. Checkez mon Facebook et mon Twitter si vous voulez être mis au courant de l'avancée et tout ça, pour avoir des infos en temps réel. Ensuite, on aura le Comic-Con. Alors, je crois que c'est en octobre. J'ai plus les dates là en tête. Je vous en reparlerai comme d'hab sur Facebook et Twitter. Mais normalement, j'y serai parce qu'il me semble que ça sera à Paris. Cette année, c'est pas en même temps que la Japan Expo. Mais je pense que ça sera dans le même coin. Donc voilà. Donc, pour résumer, plusieurs conventions auxquelles je suis sûr de participer. Japan Party à Nanterre, 11 et 12 avril. Cavicon à Nantes, le 24 et 25 avril. Neocast à Strasbourg, le 16 et 17 mai. Geekopolis, le 23 et 24 mai. Ensuite, le 6 et 7 juin à Celles-sur-Cher. Là, pas sûr de participer, mais j'espère de tout cœur participer au Geek Ferries. Autre info importante de la vidéo, c'est découvrez la page de la vidéothèque d'Alexandrie. Vous découvrirez plein de vidéos culturelles passionnantes, vraiment. Donc allez-y quoi. Et autre chose, si vous voulez aller à la Cavicon, je vous encourage fortement à songer à aller voir le concert de Mister Yeye. Je lui en fais de la pub et c'est bien normal puisqu'il a beaucoup de talent. Voilà, c'est terminé. Allez, bisous, dormez bien.